Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir tuer Zabala la fourbe facilement et je vais vous présenter ce nouveau boss sur le zombie de Call of Duty Vanguard Zombie. Alors, ce zombie a une seule attaque spécifique, c'est que là, en fait, quand il a les trois masques, il va rentrer dans le sol et il va faire apparaître une boule d'énergie. Pour tuer ce zombie, si vous lui tirez dans le corps, ça ne lui fera aucun dommage. Donc pour le tuer, il faudra impérativement tirer dans ses masques. Elle a trois masques au total. Donc vous lui tirez dans la tête. Voilà, tout simplement. Ensuite, elle est immunité, hein. Vous ne pouvez plus lui retirer dessus. Jusqu'à un moment où elle re-rentre dans le sol. Là, vous pouvez lui réinfliger de dégâts, comme vous avez pu le voir. Et là, en fait, aussi, quand vous lui détruisez un masque, elle devient plus puissante. Vous avez vu, quand elle est re-rentrée dans le sol, j'ai eu le temps de lui recasser un deuxième masque. Donc là, au total, il faut lui détruire trois masques. Mais là, elle va être plus puissante parce que quand elle rentre dans le sol, maintenant, elle va mettre trois charges à la place de une. Quand vous lui détruisez un masque, elle met deux charges. Quand vous lui détruisez deux masques, elle met trois charges électriques. Donc, il faut faire plus attention. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand elle réapparaîtra toujours devant vous. Donc là, elle disparaît, elle met ses trois charges. Si je me retourne et que je me mets là, elle réapparaîtra devant moi à chaque fois. Donc vous pouvez anticiper son emplacement de spawn. Donc ça peut vous aider à la tuer. Donc là, si je veux qu'elle apparaisse devant moi, je me mets là. Boum, elle apparaît devant moi. Et là, je la finis en lui tirant une balle dans la tête pendant qu'elle est en train de réapparaître. Donc voilà, c'est un boss qui est pour moi, je trouve, bien. Il y a des gens qui disent qu'il est un peu. Il est un peu chiant parce qu'il est immunisé, on peut pas tirer dans le corps, parfois on peut pas lui infliger des dégâts parce que vous lui venez de lui détruire un masque. Mais moi je le trouve vraiment stylé, c'est un bon boss, trois têtes à tuer, franchement c'est une première fois qu'on voit ça en mode zombie et voilà, moi je l'aime bien personnellement, c'est mon avis. Après si vous voulez donner votre avis, check à vous de le faire dans l'espace des commentaires. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace!